plein écran. Alors, le parallélisme, alors, c'est en gros tout ce qui est exécution de code en parallèle. On y est amené à des moments donnés. Le cas typique, c'est le scrapping. Quand on va commencer à scraper un site, si on attend la réponse de chaque adresse une par une, qui est encore demain. Alors, l'intérêt du parallélisme, c'est de pouvoir exécuter plusieurs codes en parallèle. Alors, d'ailleurs, hop, j'avais fait mon slide dessus. Voilà, c'est bon, je suis dessus. Donc, le parallélisme, c'est à mettre en œuvre des architectures d'électronique numérique permettant de traiter des informations de manière simultanée. C'est ce qu'on cherche à faire au bout d'un moment et on se demande bien comment faire. En Python, on a trois grosses méthodes. On a AsyncIO, qui est une méthode interne à Python, qu'on retrouve dans beaucoup de langages de programmation, y compris en JavaScript, des notions très similaires. On a le threading et le multiprocessing, qui sont les trois grosses familles de parallélisme en Python. Alors, on peut les regrouper en deux familles, les monocores, qui vont être AsyncIO et le threading, et ensuite le multicore, donc avec multithreading. C'est pour ça qu'il y en a deux qui se rapprochent au niveau du threading. Il y en a une qui sert sur s'en sortir de Python, et l'autre qui va sortir, qui va utiliser plusieurs cœurs. Sur le monocore, on a AsyncIO, qui a l'avantage d'être très léger, super bien intégré à Python. Par contre, qu'aura besoin d'écrire des fonctions spécifiques pour pouvoir l'exploiter. On a besoin de modifier le code de base, de tenir compte d'AsyncIO dès le départ. Le cas typique, justement, c'est on importe AsyncIO, on utilise le mot-clé async, on définit notre fonction et ensuite on écrit notre code. Et on lance notre code comme ça sur la base. On a ensuite le threading, qui a l'avantage de ne nécessiter aucune modification du code existant. On peut encapsuler n'importe quelle fonction déjà existante, n'importe quelle classe, sans avoir à modifier le code de base. Ce qui propose l'avantage de rien avoir à faire. Si tu as envie de mettre en threading un processus en parallèle, tu le mets en parallèle et terminé. Ça, c'est le gros avantage. Et tu as ensuite, hop là, quand je reviens dessus, en multicore, tu as le multiprocessing, qui lui aura l'avantage de s'extraire. Donc, il y a l'avantage aussi de ne pas modifier le code de la fonction appelante, qui a par contre, qui est plus lent à démarrer, qui nécessite la création d'un sub-process ou d'un fork en fonction du système d'exploitation. C'est interne à Python. Et voilà. Et justement, c'est ce que dit Julien. Il nécessite plus de code. Il permet l'utilisation de tous les cœurs, mais par contre, il n'est pas gratuit en utilisation parce que justement, sous la plupart des architectures, par défaut, il crée un autre processus séparé, donc il est plus lent à démarrer. Donc, il faut en tenir compte. On ne peut pas l'utiliser. Par exemple, c'est ce que je disais au niveau du scrapping. Ce ne serait pas utile d'utiliser du multiprocessing en scrapping parce qu'on attend simplement de l'IO. Donc là, on peut se tourner vers AsyncIO ou tout simplement le threading classique qui, lui, par contre, permet de ne pas créer un sub-process entier, donc de ne pas surcharger la machine. Par contre, si tu as du gros code à lancer derrière je dirais, du calcul sur image, etc. Par exemple, tu peux utiliser multiprocessing, puisque là, ça aura davantage de sens. La perte de temps au démarrage du processus sera amortie par le gain de puissance de calcul derrière, qui sera énorme. Voilà, donc les trois méthodes sont existantes. Souvent, on ignore multiprocessing par défaut. Ouais, on peut mélanger les méthodes, effectivement, ouais, tout à fait. Il n'y a aucun problème pour mélanger les méthodes. À partir du moment où on encapsule un processus, par exemple, tu lances en multiprocessing un robot IRC quelconque qui va discuter sur Internet, tu peux très bien le laisser tourner dans son coin et lui-même appeler de l'AsyncIO ou du threading classique. Donc, voilà, c'était la conclusion rapide, ce que je voulais surtout pas faire très long. Je suis vraiment très court là-dessus, sur l'introduction. Si vous voulez, on pourra passer aux gestions de queue une prochaine fois.
parce que c'est assez intéressant. Voilà. Donc, la 5Q léger, mais nécessite un code. Le threading léger, mais nécessite aucune adaptation de code particulière, à part ne pas oublier qu'on fait du multi-processus. Donc, par exemple, on ne peut pas utiliser SQLite en même temps, tous en même temps, sinon ça ne le fera pas. Alors, le démarrage d'un nouveau processus, c'est carrément de lancer Python à zéro quasiment. C'est vraiment ça le vrai coup. Sauf quand on utilise un système Unix, on peut utiliser fork et même un serveur fork si on supporte le pipeline. Donc, processus lourd, voilà. Jamais utilisé, ce serait le safe. Je sais pas trop. Le SQLite, pour moi, ça reste vraiment du mono-thread. J'y touche pas autrement. Ah, très bien. Du coup, oh, je m'attends en deux. Voilà, moi j'ai fini. Je te sac très vite, je voulais très vite une introduction. Bah, merci à toi, mon cher CGFI. Du coup, est-ce que nous avons des questions? Pour générer des figures complexes avec Matplotlib, il vaut mieux utiliser quel techno? Matplotlib, C'est chance. une Ça, bibliothèque c'est une librairie de... extérieure, elle est. J'avoue qu'il faudrait quelqu'un qui connaît vraiment bien Matplotlib, mais à la limite, tu peux utiliser n'importe lequel, parce qu'après, lui, il va faire des appels en C. Moi, par défaut, je mettrais du multiprocessing, de façon à séparer le processus, lui filer vraiment, à la limite, un autre cœur, et qu'après, il fasse son business derrière. Maintenant, ça dépend de la complexité. Il faut vraiment faire des tests au niveau de la complexité, si ça vaut le coup de démarrer un subprocess, ou si tu peux le faire en threading tout simple. Surtout que ça ne demande pas beaucoup de modifications de code dans l'appel lui-même du thread. Très bien. Il y a Palouf qui demande quel est le vrai coût du démarrage d'un nouveau process avec multiprocessing. Alors, ça varie. Ça varie en fonction du système d'exploitation et de la façon dont il démarre. Alors, par défaut, il est toujours démarré simplement via un subprocess. Maintenant, que ce soit sous Linux, sous Mac ou sous Windows, il démarre directement avec subprocess. En gros, c'est comme ouvrir un shell ou lancer Python. C'est vraiment la base du lancement aujourd'hui. Mais on peut utiliser sous Linux le fork et même un serveur de fork si on utilise des pipelines. Donc, ça peut être intéressant, le multiprocessing sous Linux, vraiment, ça a un intérêt. Du coup, il y a HS qui demande est-ce que. Alors, je sais pas si la question c'est est-ce qu'on peut lancer en parallèle le même script? Ah ouais. Alors s'il n'y a pas de conflit, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple SQLite, si tu n'as pas de conflit au niveau de ta base de données ou de l'accès à un fichier simultané, il n'y a aucun problème, tu peux lancer en simultané autant de processus que tu le désires. Il y a la seule limite, c'est l'absence de calcul. Très bien. Est-ce que tu as des retours d'expérience concernant les stratégies de test avec les différentes méthodes de parallélisation? Non, alors le problème de la parallélisation, c'est que c'est à la fois assez simple conceptuellement, mais en pratique, il y a beaucoup de processus déjà parallélisés. Donc, les résultats peuvent être vraiment très aléatoires d'un moment à l'autre au niveau de en fonction de la charge du système. L'idéal, c'est de retenir surtout qu'on a Async.io et Swell qui sont à peu près pareils au niveau du résultat. C'est du léger, ça reste sur le même cœur et on n'exploitera jamais les autres cœurs. Et après, dès qu'on a besoin de vraie puissance de calcul, qu'on n'a vraiment pas besoin de l'attente simplement en entrée-sortie, que c'est vraiment de la puissance de calcul, il faut tenter le coup avec le multithreading, puisque là, par contre, ça peut te libérer de la puissance de calcul et gagner justement la puissance des autres cœurs qu'on n'a pas d'habitude. Alright.
Une autre question. Est-ce que il y a des techniques ou des design patterns pour éviter des deadlocks, des perturbations entre les process? Ouais, c'est alors ça aurait été quelque part un sujet un peu plus long, je dirais d'une quinzaine de minutes. On a le système de queue, on a le système de lock, évidemment, et on a le troisième, on a le proc aussi, je crois. Si je me rappelle bien, le troisième, c'est proc, qui est assez simple, on fonctionne avec des maps. C'est vraiment... on a tout clé en main, en fait. Au niveau de la 5Q, il n'y a pas besoin de grosse gestion. Au niveau du threading, après, on a un système de queue qui permet de gérer, puis en plus de gérer la façon dont on gère la queue. C'est-à-dire en FIFO, en LIFO, avec des priorités. C'est vraiment, il y a tout un éventail de panels. De gestion des queues, c'est vraiment et des verrous très bien. Non, c'est bien intégré dans Python. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à toi, mon cher CJFI, pour cette présentation.